Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième conseil municipal de notre nouvelle mandature. J'ai le plaisir de vous annoncer que ce conseil municipal sera filmé gratuitement par JPH Productions, nouvelle entreprise créée à Valétroit et hébergée dans notre nurserie numérique. Le conseil sera retransmis en direct sur Internet. Vous trouverez le lien de la vidéo sur le site de la ville de Valétroit. Le conseil pourra ainsi être revisionné plus tard pour celles et ceux qui le souhaitent. Souhaitons bon vent à cette nouvelle entreprise du territoire. Tout d'abord, je vais excuser Yvette L'Hôpitalier, notre collègue, qui donne pouvoir à Alain Brongard ce soir. Et je vais demander à notre collègue Yanis Lebrun, s'il veut bien accepter d'être pour ce soir le secrétaire de séance. Merci. Donc, nous allons tout d'abord commencer cette séance avec les affaires à l'ordre du jour qui sont soumises à délibération. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Fort. Oui. J'aurais une première question. Oui, allez-y. Concernant les comptes rendus des conseils, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'il y a dans le règlement intérieur qui stipule l'édition des comptes rendus et à quel moment on les a. Alors, on n'a pas eu compte rendu du précédent. Bon, alors, tout d'abord, le règlement intérieur, on a 6 mois pour le réaliser. Donc, il va être fait très prochainement, hein, donc il y a 6 mois, c'est la loi pour le faire. Et évidemment, nous stipulerons à l'intérieur, enfin dans ce règlement intérieur, le compte rendu des conseils municipaux. Tout sera bien noté, et vous avez raison de le souligner. Alors, nous commençons donc par les affaires à l'ordre du jour soumis à délibération du Conseil municipal. Nous allons aborder les projets de délibération que vous avez reçus avec votre convocation. Formation de la Commission des finances et désignation de sa composition. Je vous rappelle que les conseils municipaux peuvent former des commissions d'études qui sont présidées de droit par le maire. Il s'agit bien de commissions d'études, leurs avis ne sont pas contraignants pour le conseil municipal qui, lui, est seul souverain dans les prises de décision. Je vous avais précisé, le code des collectivités prévoit que les commissions créées par le conseil municipal doivent être convoqués dans les 8 jours qui suivent leur nomination. Par souci de simplicité pour l'agenda et dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire, la formation
d'autres commissions sera proposé lors des prochains conseils municipaux. Parce que c'est beaucoup trop court pour convoquer toutes les commissions. Alors, approuvez-vous la création d'une commission des finances? Qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. Nous allons maintenant déterminer le nombre de membres de la commission. Je vous propose une commission composée de 7 membres du conseil municipal, soit 5 membres de l'équipe majoritaire et 2 membres de l'équipe minoritaire. Avec cette composition, nous conservons la représentation proportionnelle des équipes dans la commission. Avez-vous des questions, des remarques? Eh bien, écoutez, dans ce cas, approuvez-vous la commission de la composition des finances à 7 membres, dont 5 représentants de l'équipe majoritaire et 2 représentants de l'équipe minoritaire. Qui est pour? Eh bien, écoutez, à l'unanimité. Nous allons maintenant passer à l'élection des membres. Comme prévu dans votre convocation, je vais vous demander si vous êtes d'accord pour ne pas procéder au vote à bulletin secret pour simplifier les choses. Êtes-vous d'accord pour renoncer au vote à bulletin secret pour la désignation des membres de la commission des finances? Qui est pour? Écoutez, à l'unanimité. Je vais maintenant vous demander s'il y a des candidats pour être membres de cette commission des finances. Il en faudra 4 de la majorité et 2 de la minorité. Alors, qui se propose pour être membre de la commission des finances que nous créons ce soir? Non, d'accord. Donc, vous voyez bien, levez la main. Donc, Carole, Odile, Jean-Marc, Monsieur Guillard et Monsieur Faure. Voilà. Eh bien, écoutez, êtes-vous... Et Alain? Yvan? Et Alain? Ah oui, j'ai pas. Voilà, Alain, excusez-moi. Donc, êtes-vous d'accord pour élire donc Carole, Jean-Marc, Odile, Alain, Monsieur Faure et Monsieur Guillard. Qui est pour? Voilà. Les prénoms, tu peux mettre les prénoms, c'est pas gênant. Voilà. Ça ne nous dérange pas. Bon, que, d'accord. Moi, ça ne dérange pas qu'on appelle Jean-François. Et jusqu'à maintenant, je t'appelle un peu une rose, donc je vais continuer. Ok. Donc, vous avez noté? Très bien. Nombre de membres du conseil d'administration du CCAS. Je vous rappelle que le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale est présidé par le maire et qu'il comprend en nombre égal au maximum 8 membres élus en son sein par le conseil municipal et 8 membres nommés par le maire. Parmi les personnes non membres du conseil municipal, je vous propose, comme lors des précédents mandats, de fixer à 14 le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS et à 7 le nombre de conseillers municipaux membres du CA, du conseil d'administration. Alors, êtes-vous d'accord pour fixer à 14 le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS et à 7 le nombre de conseillers municipaux? Qui est pour? Eh bien, écoutez, à l'unanimité, élection maintenant des membres du conseil d'administration du CCAS. Nous allons passer à l'élection des membres du CCAS. Ici, nous n'avons pas le choix. Il nous faut passer par un vote de liste à bulletin secret.
Cela vous a été détaillé dans la convocation. Je vais donc vous demander s'il y a des listes candidates. Alors, donc Michel et Madame Blanchet. Voilà. Alors, nous n'avons que deux listes. Une liste menée par Michel de Sauterre-Lebel, avec Jean-Paul Lambé, Odile Auger, Viviane Kervazo, Carole Blanco-Herzelin et Sylvie Guillaume. Et nous avons une deuxième liste menée par Sabrina Blanchet, avec Elisabeth Thomas, Jean-François Millard et Philippe Faure. Nous allons maintenant procéder au vote. Je demande à Christian et à M. Faure de bien vouloir accepter le rôle d'assesseur pour cette élection. Je vous demande d'indiquer simplement le nom de la personne figurant en tête de liste. Alors, donc... Monsieur Faure, si vous voulez bien. Deux. Donc, je vais procéder. À la lecture des noms sur cette liste, Michel Le Sauterre-Lebel, liste Michel Le Sauterre, c'est Le Sauterre ? Liste Michel Le Sauterre, liste Michel Le Sauterre, liste Michel Le Sauterre-Lebel, liste Michel, pardon, Blanchet. Michel Le Sauterre-Lebel, liste Michel Le Sauterre-Lebel, liste Michel Le Sauterre-Lebel, liste Michel, liste Sabrina Blanchet, liste Michel Lebel, liste Blanchet, liste Sabrina Blanchet, liste Michel Le Sauterre, liste Michel Le Sauterre-Lebel, Michel Le Sauterre-Lebel et
Michel Le Sautère, Le Pel. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Et on les voit là. 12, 13, 14. Ah oui, mais on les voit mal. Ah oui, il a pas voté. Donc ça fait 14 pour la liste Michel Le Sautère-Lebel et 4 pour la liste Sabrina Blanchet. Voilà, donc il y a un calcul qui se fait selon les codes. Donc le résultat du vote, c'est 5 sièges pour la liste majoritaire et 2 sièges pour la liste minoritaire. Donc voilà, hein, donc sur, ça fait donc les 7 sur le total des 7 sièges. Donc voilà le résultat. Donc, alors après, les membres, c'est dans l'ordre sans doute de la liste. Hein, donc, pour la liste minoritaire, c'est donc Madame Sabrina Blanchet et Madame Elisabeth Thomas qui sont élus. Et puis, alors, pour notre liste, eh bien, on reprend Michel Le Sautère-Lebel, Jean-Paul Lambé-Lambé, Odile Auger et Viviane Kervazo. 2, 3, 4, puisque je suis d'emblée président du CCRS. Voilà. Donc, maintenant nous allons passer aux représentations dans les organismes extérieurs, mode de désignation des délégués. Je vous rappelle que les délégués du Conseil dans les organismes extérieurs sont désignés par le Conseil municipal. Si le nombre de candidats correspond au nombre de délégués à élire, les nominations prennent effet immédiatement sans vote formel. Je vous avais indiqué que dans le cas contraire, il s'agirait d'un vote à bulletin secret. Mais le CGCT, le Code général des collectivités territoriales, nous permet également un vote à main levée. Je vais donc simplement vous demander si vous êtes d'accord pour renoncer au vote à bulletin secret pour ne pas alourdir la procédure. Êtes-vous d'accord pour renoncer au vote à bulletin secret pour la désignation des représentants dans les organismes extérieurs? Qui est pour? Donc, à l'unanimité. Représentation dans les organismes extérieurs. Désignation des délégués.
Je vous rappelle que nous adopterons une seule délibération pour la désignation des délégués. S'il y a plusieurs candidatures pour un poste, nous mentionnerons le résultat du vote dans la délibération. Nous allons commencer par les deux commissions réglementaires. Je vous propose pour ces deux commissions de conserver la règle de proportionnalité et d'instaurer 6 sièges pour la majorité et 2 sièges pour la minorité pour la commission communale des impôts directs. Et 5 sièges pour la majorité et 2 sièges pour la minorité pour la commission de contrôle des listes électorales. Pour la commission communale des impôts directs, il nous faut 7 commissaires titulaires et 8 suppléants, puisque le maire y siège en tant que titulaire. Pour la commission de contrôle, il nous faut 5 titulaires. Donc, pour la commission de contrôle, 5 titulaires. Alors, nous commençons donc. Qui sont les 7 candidats titulaire pour la commission communale des impôts directs? Alors, donc on a... Ça fait bien 7 au total. D'accord. Très bien. Qui sont les 8 candidats suppléants pour la commission communale des impôts directs? Est-ce qu'il y a des suppléants dans la minorité? D'accord. Donc, on est donc, ça fait donc le total. 8. Pouvez-vous lever à nouveau le bras, s'il vous plaît, pour les suppléants de la commission communale des impôts directs? C'est bon, le compte est bon. Maintenant, qui sont les 4 candidats titulaires pour la commission de contrôle des listes électorales? Donc voilà. On a le compte, fait au total 5. Très bien. Je vous remercie. Nous allons procéder maintenant en suivant le tableau que vous avez reçu avec votre convocation, que vous devez avoir avec vous. Pour les organismes extérieurs. Alors, pour les organismes extérieurs, je vais nommer chaque organisme extérieur et avec le nombre de délégués à nommer pour chaque organisme extérieur. Et je demanderai tout simplement qui est candidat. Donc, le nombre de candidats est égal au nombre de postes et pour les différentes commissions et sont donc désignés par le conseil municipal. Alors, si nous avons un nombre plus important de candidats que de postes, nous allons donc devoir voter. Alors, nous allons commencer par l'organisme, le conseil d'administration de l'hôpital de Malétroit. Donc, le maire est président d'office de ce conseil d'administration et il faut donc 2 délégués pour le conseil de l'hôpital de Malétroit. Nous avons 2 délégués à nommer. Qui
est candidat. Donc, pour relever. Est candidat. Donc, il y a trois candidatures pour deux. Alors, donc, maintenant, on va devoir voter. Alors, on vote à main levée, puisqu'on a acté que c'était à main levée. Alors, donc, on récapitule trois candidats, Michel Le Sauter-Lebel et Vincent et Thomas. Alors, on commence en ordre. Qui vote dans la candidature de Michel Le Sauter-Lebel pour l'hôpital de la Ville. Qui vote pour la candidature de Vincent Cossel pour l'hôpital de la Ville. L'hôpital qui est devenu État, qui est revenu au groupe hospitalier. Donc, voilà. Pour madame, alors, qui vote pour madame Blanchet, candidate pour l'État de Valetta. Donc, il y a quatre votes. Donc, sont élus. Délégué à l'État de l'Aéran, au conseil d'administration de l'État, Michel Le Sauter-Lebel et Vincent Poisson. Nous allons passer maintenant au syndicat intercommunal du groupe scolaire public SIGSP. Donc là aussi, le maire est désigné d'office sur ce syndicat du groupe scolaire. Et il nous faut deux délégués. Alors, qui est candidat ? Là, donc, Sylvie, Guillaume, Carole Blanco-Esselin et M. Philippe Faure. Donc, on commence. Qui vote pour la candidature de Sylvie Guillaume ? Qui vote pour la candidature de Carole Blanco-Castelin et qui vote pour la candidature de M. Filippo. Donc, nous avons donc, en résultat des votes, sont élus Sylvie Guillaume et Carole Blanco-Castelin pour le syndicat SIGSP, syndicat du groupe scolaire public. Ensuite, nous passons au Valandous, le syndicat d'assainissement Vosa. Syndicat d'assainissement Vosa, où il faut trois délégués. Alors, qui est candidat pour le Vosa ? Alors, c'est peut-être au premier adjoint de dire, comme je suis candidat. Il vote pour M. Bruno Gigello. Il vote pour M. Faure. Jean-Marc Foucault. Jean-Marc. Donc, sont élus, Bruno Gigello, Jean-Marc Coutin et Marc Perriche. Merci. Alors, nous allons passer maintenant à Morbihan Énergie. Morbihan Énergie, il ne faut donc que deux délégués titulaires dans cet organisme.
qui est candidat pour Morbihan Énergie. Donc, il faut deux titulaires. Vincent. Et moi, Mme Michel. Alors, non. Alors, qui c'est qui va voter pour M. Moulin-Gigolo? Pour M. Faure? Pour Vincent Fossel? Alors, le plan haut du Morbihan, il faut donc deux délégués titulaires pour l'eau du Morbihan. Qui est candidat pour l'organisme haut du Morbihan? Voilà, il est relevé. Marc, Jean-Marc et M. Guillard, Jean-François. Marc Kermich. Qui vote pour le deuxième candidat, Jean-Marc. Qui vote pour Jean-François, il y a. Alors, sont élus au haut du Morbihan, donc Jean-Marc Houtin et Marc Kermich. Nous allons passer maintenant au collège Yves Coppens. Un délégué titulaire et un délégué suppléant. Alors, qui est candidat pour le délégué titulaire? Donc, on est bien d'accord, c'est le collège Yves Coppens. C'est Carole. Voilà. Donc, c'est bon. Non, ben, pour le délégué ou la déléguée suppléante ou suppléant. Donc M. Faure et Sylvie Guillot. Alors, qui est pour voter pour Sylvie Guillot? Donc, pour M. Faure, donc est élu Sylvie Guillot, déléguée suppléante. Comité national d'action sociale, le CNAS. Il faut donc un ou une déléguée. Qui est candidat? Bon, c'est quoi? Donc voilà, là, j'en peux. Qui est pour voter pour M. Bourgogéo? Un deuxième candidat? Oui. Madame Poulot, qui est pour voter pour M. Trudeau-Jacquelot? Pour Madame Poulot, avec lui, M. Trudeau-Jacquelot. La mission locale, et il faut trois délégués à la mission locale, si tu as peur, madame. Qui est candidat pour la mission locale? Je crois même qu'il y a quelqu'un qui travaille dans la salle à la mission locale. Alors, si vous voulez, je vais vous demander de sortir. Parce que je vais vous demander de sortir pendant le vote, s'il vous plaît. Pas de souci. Alors, donc, qui est candidat pour, il faut trois délégués pour la mission locale. Alors, donc, Yanis, Michel, Odile, voilà. Donc, qui est pour les trois, on peut lever, on peut le voter, puisqu'il n'y a que trois candidats. Donc, voilà, donc c'est bon. Allez-y. OK. On peut dire, madame,
l'enchaîne, je vais faire revenir. L'association Petite Cité de Caractère, le PCC, il faut donc deux délégués titulaires et deux délégués suppléants. Alors, qui est candidat en titulaire, au poste de titulaire? Voilà, Cité de Caractère. Donc, il y a Vincent et moi-même. C'est bon. Deux suppléants ont délégué Petite Cité de Caractère. Qui est candidat? Alors, donc, Sylvie, Viviane et Thomas, Elisabeth. Donc, on va voter. Qui est pour la candidature de Viviane Kervazo? Qui est pour la candidature de Sylvie Guillaume? Et qui est pour la candidature de Elisabeth Thomas? Ok. Donc sont élus délégués titulaires Sylvie Guillaume et Viviane Carvazo. Et en titulaire. Suppléant, voilà. Titulaire, on l'avait fait avec moi et Vincent. Association SK, c'était pour voir si vous suiviez bien, mais je vois que vous êtes bien, bien attentifs ce soir. Donc, on va passer maintenant à l'association SK Fluviale de Bretagne, où là, il nous faut un délégué à l'SK Fluviale de Bretagne. Alors, qui est candidat? Alors, donc, Jean-François Billard et Vincent Poissel. Alors, qui vote pour Vincent Poissel? Donc, qui vote pour Jean-François Billard? Voilà. Association CRE Morbihan. Donc, il faut un délégué qui est candidat. Donc, le CRE du Morbihan, je suis candidat, et madame Blanchet. Alors, à toi. Qui est d'accord pour voter pour M. Legiquero? Pour Mme Blanchet, est élu M. Legiquero. Alors, pour le marché de la nature, vous savez, le marché du jeudi à Valais-3 avec la ville de la Gacilly, il nous faut un délégué qui est candidat pour les marchés de la nature. Donc voilà, moi-même et Jean-François Guillard. Je passe le micro. Qui est pour voter pour Bruno? Pour Jean-François? Merci. Et nous allons passer maintenant au candidat de l'Association régionale d'information communale, ce qu'on appelle l'ARIC, qui est un centre de formation pour les élus durant tout le mandat. Qui est candidat? Voilà. Qui est pour voter pour Bruno Giquello? Pour Mme Blanchet. Merci. Alors maintenant, référent sécurité routière. Donc il nous faut un référent. Qui est candidat pour référent sécurité routière? Alors donc il y a Jean-Paul Lambé et M. Philippe Faure. Alors, qui est pour voter pour Jean-Paul Lambé? Qui est pour voter pour Philippe Faure? Et puis nous allons terminer avec le correspondant défense. Il nous faut un correspondant défense. Qui est candidat? Donc, Christian
Guillemot et Jean-François Guillard, candidat. Qui est pour voter pour Christian Guillemot? Qui est pour voter pour Jean-François Guillard? Écoutez, je vous remercie. Donc, les votes sont actés pour les commissions, les organismes extérieurs. La mission locale, on va vous dire, je vais noter. Voilà, Yanis Lebrun, Michel Le Sauter-Level et Odile Auger. Les trois candidats. D'accord. Alors, maintenant nous allons passer à la rubrique indemnité des élus. Je vous rappelle que... Il y a quelque chose à dire sur ce sujet-là, justement, on peut le passer au vote. Tout d'abord, je tiens à vous dire que vous êtes dans la légalité des textes qui régissent les indemnités des élus. Par contre, je veux comprendre, les vrais citoyens également, vos incohérences de position, de message, de discours, mais surtout de gestion. Il y a quelques semaines, lors de nombreuses réunions, avec votre grand argentier non élu, vous parliez de dette, d'économie, d'impossibilité de nouvel emprunt. On n'avait plus que 6 euros pour finir l'année et on risquait même la mise sous tutelle. C'était très grave, il fallait faire des efforts. Aujourd'hui, on est là pour travailler dans ce sens, faire des économies. L'État, voyant que plus personne ne voulait prendre part à la vie des communes, en début d'année, augmenter les indemnités des élus, et pour Malais 3, ça fait plus 20%. L'État pense peut-être que cela, que l'on fait cela pour de l'argent, j'espère pas. Je ne le pense pas. Donc 20% à prendre sur notre budget, c'est donc les Malais citoyens, avec leurs impôts, qui vont supporter cela. Au vu de la situation que vous nous avez décrite, je pensais que le commencement des efforts budgétaires commencerait donc dès cette séance. Il n'en est rien. Vous allez voter le taux maximum possible, avec bien sûr l'augmentation, c'est-à-dire 70 289 euros par an. Et cela ne s'arrête pas là. Un peu d'histoire. Les cantons ont été créés en 1790, puis supprimés, puis recréés. Ensuite, ils sont modifiés au gré des politiques. Ces dernières années, les cantons servaient qu'à élire notre conseiller général à l'époque, qui gérait notre département. Les chefs-lieux de canton devaient avoir un développement plus important que les communes voisines. Du temps où moi j'étais élu, on appelait ça des bourses structurantes. Avec la création des conseillers départementaux et l'arrivée des COMCOM, les cantons et les chefs-lieux de canton ont perdu une grande partie de leurs prérogatives. Ils ne servent plus qu'au moment des élections, des élections départementales. Les schémas directeurs de l'OBC, les compétences transmises au fil des années, ont réduit pratiquement à zéro le rôle des chefs-lieux de canton. D'ailleurs, il n'y a plus que dans le Code général des finances qui parle des chefs-lieux de canton, puisque en général, en matière de finances, on a toujours un petit peu de retard. Donc ce code permet de majorer de 15% supplémentaires les indemnités des élus. Malais 3 prend donc ces 15% supplémentaires par mois, soit 880 euros, c'est-à-dire à peu près un RSA, qui fait plus de 10 000 euros sur l'année. Entre parenthèses, un chef-lieu de canton dont la mairie est fermée le samedi, les Malais citoyens ont pris l'habitude d'aller dans les communes voisines quand ils ont besoin de faire quelque chose le samedi. Nous arrivons donc à plus de 80 000 euros par an, soit 484 990 sur le mandat. Cette incohérence financière vis-à-vis de votre discours de campagne mérite une explication. Les élus ont des frais, il est normal d'avoir des indemnités. Mais il faut penser aux Malais citoyens qui paient leurs impôts. Nous vous demandons donc d'annuler les 15% au titre du chef-lieu de canton et de montrer que les efforts commencent dès aujourd'hui. Dans la charte de l'élu, il y a le mot dignité, intégrité, mais aussi l'élu poursuit l'intérêt général. Un geste fort envers l'ensemble des Malais citoyens
voilà qui débuterait le mandat en supprimant ces 15% de façon cohérente et visible vis-à-vis de votre discours de campagne. Mais écoutez, vous êtes exprimé et vous avez tout à fait raison, parce que je l'ai dit à maintes reprises que nous sommes là pour ça, et une séance de conseil municipal, chacun doit pouvoir s'exprimer librement. Et je vais vous répondre que c'est un grand classique de démagogie à chaque élection de venir dénoncer les indemnités des élus. Ça, on le retrouve un petit peu partout. Vous savez, moi je suis élu ici depuis 2001. J'ai été comme vous, derrière la table, pendant un mandat et demi, j'ai été comme vous, dans l'opposition. Jamais je ne suis intervenu sur les indemnités des élus au sein d'un conseil municipal, et je les ai toujours votées, même en étant dans l'opposition. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que être élu, et je crois que M. Faure, vous savez ce que c'est. Vous, quand vous étiez maire dans l'Oise, d'une petite commune de 450 habitants, je crois que vous ne laissiez pas votre indemnité. Enfin, si, peut-être que vous l'avez laissée, vous la donniez à quelqu'un d'autre. Hein? Bon, être élu, ça prend du temps. Et il faut être présent au quotidien, je dis bien au quotidien, sur le terrain. Même si vous ne comptiez pas le faire. Pour certains, j'avais lu dans le journal qu'une mairie, il fallait que le maire ne soit pas présent, surtout pas présent tous les jours dans une mairie. Donc, il y a énormément de travail à faire, et notamment, à Valétroit, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Valétroit, vous l'avez fort bien dit, est un ancien chef-lieu de canton, qui aurait d'ailleurs dû garder ce titre-là, parce que c'est une centralité, et c'est le centre, comme le disait un ancien agriculteur autrefois, qui malheureusement est décédé. Il était venu me voir dans mon bureau au début du mandat de 2014, il m'avait dit « Valétroit est le centre important de la ruralité tout autour, par sa vivacité, ses commerces, ses services, en matière de santé, etc. etc. » Donc, je vais vous rappeler, hein, les maires et les adjoints ont beaucoup de. Et les adjoints délégués ont beaucoup de travail. Il faut s'occuper du CCAS, il faut s'occuper des services techniques, des travaux, de la comptabilité, du marché, de la police, et j'en passe bien d'autres. Et il faut être là aussi pour recevoir nos concitoyennes et nos concitoyens, surtout quand ils en ont besoin. Donc, ces indemnités sont une compensation pour ce travail. La preuve, c'est que vous l'avez dit, le législateur, avant les élections municipales, a majoré les indemnités des élus. Donc, elles sont évidemment légitimes, et le reste, pour ma part, n'est que démagogie. Alors, juste un petit mot, j'ai rien contre les indemnités, vous l'avez bien compris. Je voulais mettre en exergue la différence qu'il y avait entre votre discours de campagne et votre position de vote. Ah oui, voilà, mais c'est tout. C'est, et bon, ça n'a rien de démagogique. Tout à fait. C'est pas démagogique. Mais si vous voulez, sur le discours de l'endettement, nous pourrons largement y revenir lors des prochaines séances de conseil municipal. Et d'ailleurs, vous aurez toute la possibilité d'intervenir, et nous aussi, autour de ce sujet, qui a été un sujet extrêmement important lors de la dernière campagne électorale, et où tout a été raconté, et tout est son contraire. Donc nous pourrons largement, dans la commission des finances, d'ailleurs vous pourrez vous exprimer, et aussi au prochain conseil municipal, qui sera consacré au vote de ce budget. Ne mélangeons pas indemnité et budget de la ville, et notamment, enfin, vous direz, les indemnités sortent du budget de la ville, mais je voulais dire, ne mélangeons pas indemnité et endettement de la ville de Valétroit. Et ça, là-dessus, nous pourrons largement y revenir, et avec beaucoup de tranquillité, parce que croyez-moi que nous connaissons les chiffres en long, en large et dans tous les sens sur les moyens de la ville de Valétroit et ses finances. Donc,
Êtes-vous d'accord pour répartir le montant de l'enveloppe autorisée pour le nombre d'adjoints, 3850,50 euros à part égale? Donc, j'ai sauté un paragraphe. Bon, on reprend. Les indemnités. Je vous rappelle que l'indemnité du maire est de droit et sans débat. Je rappelle. L'indemnité du maire est de droit et sans débat, fixée au maximum légal, et que les indemnités des élus sont calculées à partir d'une enveloppe maximale dont vous avez eu des tailles dans votre convocation. Je vous propose le vote des indemnités à répartir l'enveloppe autorisée par le nombre d'adjoints et de le répartir à part égale entre les adjoints et les délégués, les conseillers délégués. Nous obtenons donc une indemnité de 481,31 euros brut par élu, adjoint et conseiller délégué. Le maire obtiendra une indemnité de 2006 euros. Pas 2600, 2006 euros brut. Êtes-vous d'accord pour répartir le montant de l'enveloppe autorisée pour le nombre d'adjoints, 3850,50 euros, à part égale entre les adjoints, c'est-à-dire 5 élus, et les conseillers délégués, 3 élus, et d'attribuer 480,31 euros brut par élu, adjoint et conseiller délégué? Qui est pour? Indemnité majorée. Je vous rappelle que les articles L21-23-22 et R21-23-23 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, prévoient l'octroi possible d'une majoration d'indemnité de 15% dans les communes chef-lieu de canton ou anciens chef-lieu de canton, où les communes siègent des bureaux centralisateurs de canton. Malétroit assurant toujours une importante fonction de centralité, je propose au conseil municipal de voter cette majoration de 15% pour l'ensemble des élus bénéficiant d'indemnité. Êtes-vous favorable à la majoration de 15% pour l'ensemble des élus bénéficiant d'indemnité? Qui est pour? Eh bien, écoutez, 15 et 4. Qui s'abstient? 4 abstentions. Très bien. Alors. Donc, abstention pour bien démontrer ce que vient de dire Philippe Bois. Tout à fait, on va bien. C'est pas de la démagogie, pas du tout. C'est de la cohérence dans les discours. Tout à fait. On a bien compris. Alors, affaire à l'ordre du jour pour information du conseil municipal. Je vous informe que j'ai pris 8 arrêtés de délégation. Donc, Jean-Paul Lambé, premier adjoint en charge de la santé, de la sécurité de la ville. Carole Blanco-Hercelin, donc Jean-Paul Lambé, évidemment, premier adjoint. Jean-Paul Blanco-Hercelin, deuxième adjoint. Carole, Jean. C'est pour voir si tu suis bien, Jean-Paul, mais ça va bien. Donc, Carole Blanco-Hercelin, deuxième adjointe, en charge des finances. Et puis, c'est important d'avoir le sourire, parce que vous êtes un petit peu trop sérieux, là, ce soir. Hein? Donc, Carole Blanco-Hercelin, deuxième adjointe en charge des finances. Christian Dumont, troisième adjoint en charge de l'économie et des entreprises. Michel Le Sauter-Lebel, quatrième adjointe en charge des affaires sociales. Vincent Poissel, cinquième adjoint en charge du tourisme, du commerce et de l'artisanat. Alain Brogard, conseiller délégué aux travaux, l'aménagement et à l'environnement. Et Yanis Lebrun, conseiller délégué à la culture et à la communication. Yvette L'Hôpitalier, conseillère déléguée au cadre de vie et à l'embellissement
de la ville. Voilà les arrêtés de délégation qui ont été signés. Dans les questions diverses, je souhaitais clore ce conseil par deux nouvelles très positives pour la ville de Malétroit. Vous avez pu lire récemment dans la presse que Malétroit accueillait 3 nouveaux commerces en centre-ville, dans des domaines variés, l'habillement, la confiserie et l'artisanat. En pleine crise économique et toujours dans un contexte difficile pour les centres-villes, nous nous réjouissons de voir ouvrir 3 nouvelles entreprises qui ont reconnu le dynamisme de la ville de Malétroit. Vous savez tous que depuis 2014, l'équipe a fait du développement économique sa priorité. Nous sommes très heureux de voir que cette dynamique se renforce et nous ne relâcherons pas les efforts. D'autre part, notre opération commerciale « J'achète à Malétroit, je suis gagnant » menée avec l'UQAM est un formidable succès et nous avons dû, dans l'urgence, réimprimer des tickets et des cartes de participation pour les opérations rouges et jaunes. Et je rappelle que les urnes se situent devant la mairie durant toute l'opération qui se terminera au mois de septembre, fin septembre de cette année, avec 5 400 € de chèques pesants à gagner pour les heureux. Autre bonne nouvelle, nous avons reçu ce matin la confirmation officielle des petites cités de caractère de France, qui est Malétroit, conserve son homologation de petite cité de caractère de France. Voilà, en ce qui concerne ces informations diverses, avez-vous des questions? Avez-vous des... Oui, j'ai quelques remontées du terrain. Une première fouette, il a été fait des plantations automatiques dans l'ensemble de la commune, enfin, plusieurs rues ont été traitées en pointe à temps automatique, avec très peu de signalisation. Normalement, c'est des panneaux classe 2, type la nuit. Il y avait des petits panneaux plastiques, je ne sais pas ce que c'était, ces panneaux-là, mais ils ne ressemblent à rien. Par contre, moi, j'aimerais savoir à quel moment le chantier va être terminé, parce que du point à temps automatique, au bout de 10 jours, normalement, il va y avoir le passage de la balayeuse par l'entreprise qui a marché. Et là, il y a bien plus de 10 jours que le chantier est terminé. Donc, le balayage est prévu. Et enlever le surtout avec le masque, on n'entend pas. Donc, en ce qui concerne le fatal, la problématique, la déjà sur l'entreprise privée qui l'a fait. Oui. Donc, la signalisation, ça concerne l'entreprise privée. Pas tout à fait, c'est la responsabilité du maire. C'est eux qui réalisent les travaux. Oui, mais ils doivent être conformes aux réglementations. Et pour le balayage, effectivement, il est prévu. Donc, ça sera fait soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Ok. Deuxième petite chose, il a été effectué un chantier d'abattage avec des gens de chez nous qui ont très bien travaillé, qui ont travaillé correctement, très polis, qui travaillaient vite et bien. Par contre, il y a des petites choses à redire. Il n'y a pas eu de prévenance, c'est-à-dire qu'en général, quand on fait ce genre de chantier, on prévient les voisins. C'était abattre des arbres, donc il n'y a pas eu de sécurité de mine, j'ai pas vu de panneau qui bouchait le chemin, ni d'un côté ni de l'autre. D'un côté, c'est dur d'arriver, mais de l'autre côté, on peut. Et surtout, alors là, c'est ça qui va surtout m'inquiéter, c'est que pas de bris. Donc casque, lunettes, bouchons d'oreille, gilet, chaussures, pantalon. Là, ça, c'est quand même grave. Alors juste... Oui, c'est pas large. Donc ce chantier, il a été fait dans l'urgence, puisque c'est une branche qui est tombée, je crois que c'est l'année dernière. Donc ce chantier a été fait donc, suite à cet incident. Par rapport aux EPI, je suis intervenu sur le chantier pour leur dire effectivement qu'ils devaient mettre des EPI. Ce n'était pas normal d'en avoir dans les placards et qu'ils ne soient pas portés.
Parce qu'il y avait un jeune apparemment qui est en formation et lui il avait rien. Non, mais je lui ai dit d'arrêter. Je l'ai arrêté et je lui ai dit d'aller chercher s'il vous plaît. Et quand ils font des chantiers comme ça, ils demandent l'autorisation aux riverains de rentrer chez eux. C'est la moindre des choses. Ils sont rentrés chez les riverains, ils veulent ce qu'ils étaient chez eux. Là, c'est le chef chemin, on n'est pas du tout sur le. C'est pas chez les particuliers. Oui, je l'ai vu rentrer chez les particuliers. D'accord. Non, mais je vois que vous avez beaucoup de temps à passer, à consacrer, à tout contrôler dans la ville, et c'est très bien, hein. Il nous faut des contrôleurs de travaux finis, vous savez, ça existe, et ce sont des spécialistes, les contrôleurs de travaux finis, souvent plus spécialistes que quand il faut travailler sur un chantier. Alors, bon, c'est très bien, et d'ailleurs, vous pourrez, si vous voulez bien, il y aura une commission très prochainement qui sera créée, une commission travaux, que nous créerons au mois de juillet, et là, vous aurez tout le plaisir, lors des commissions travaux, d'échanger avec Alain, avec les différents membres de la commission, pour nous remonter les informations, puisque je vois que vous passez votre temps à contrôler, et c'est très bien. Voilà, alors, donc... Allez-y, chacun son tour, pas de problème. Permettez, je vais dire, monsieur le maire, parce que... Ce que vous venez de dire tout à l'heure est tout à fait intolérable vis-à-vis d'un élu. C'est un manque de respect complet de l'élu. Ah bon ? Il est élu comme vous. Mais tout à fait. Et vous n'avez pas. Mais c'est très bien, c'est le féliciter de faire. Vous n'avez pas à le traiter de contrôleur. Vous savez, Jean-François Guillard. Quand on nous décrit au mot près les faits, eh bien, je ne peux que constater que c'est du contrôle, et c'est très bien, parce que ça ne peut... Attention, il ne faut pas me prendre dans ce sens-là. Ça ne peut être que positif pour Alain et nos services. Donc, on vous remercie. C'est petit. Voilà. Autre chose. Lors du déconfinement. Attendez, j'entends pas. Lors du déconfinement, vous avez remonté que l'air des communautaristes a très très rapidement été nettoyé, très bien. Mais moi, quand je rentre dans ma rue, je ne vois même plus le panneau malétroit. Et que dire du petit panneau contrôle radar fréquent. Donc c'est bien de s'occuper du tourisme, c'est capital en ce moment, mais il faut aussi penser aux malétroitiens et à nos rues, à nous. Donc le moindre des choses, c'est de commencer par les gens qui payent les impôts et après on s'occupe en effet. Et voilà. Bon, alors vous avez raison, on ne peut pas. On a toujours raison avec vous. Hein. Non mais Paris ne s'est pas fait en un jour, comme on dit familièrement et dans la culture. Le confinement, comme partout en France, les équipes municipales ont été divisées par deux. Il n'y a pas qu'à Malétroit, c'est partout. C'était la loi du confinement. Bon. Évidemment, l'herbe pousse partout. Et je ne citerai pas de nom, puisque nous sommes filmés ce soir. Je suis allé dans une petite cité de caractère dans le secteur. Il y a très longtemps que je n'étais pas allé me promener. J'y suis allé le week-end dernier. Et bien, quand je voyais qu'à Malétroit, on osait prendre des photos. Des photos qu'on projetait sur des écrans en disant que Malétroit était sale, en disant que Malétroit, on cherchait à nuire, à détruire Malétroit en permanence. Et c'est ce que vous faites un peu ce soir aussi. Mais enfin, ça, c'est votre choix. Hein. Vous savez, dans la vie, on a un choix. Soit qu'on essaie d'élever une ville, de la pousser vers le haut, et c'est ce que l'équipe municipale fait depuis 2014, on la monte. Ou alors, on va dans la polémique stérile. Et je crois que là-dessus, vous êtes de bons spécialistes. Non. Je vais répondre à votre question, mais je tenais à vous le dire. Donc, il est évident que cette petite cité de caractère, je peux vous dire, elle avait l'air haute comme ça, en plein centre-ville. Ça m'a même premièrement surpris. Je me suis dit, eh bien, il y a des équipes qui devraient venir prendre des photos ici pour les passer sur grand écran. Ça a été mon premier réflexe. Parce que Malétroit, nous n'en sommes pas là. Et puis, secondo, nous allons, et
les services. Tiens, là, vous avez manqué à votre poste. Vous devriez, là, parler du positif. Parce que comme vous contrôlez bien partout, là, vous devriez voir qu'en ce moment, depuis le début de semaine, notre nouvelle désherbeuse, qui est performante, est en train de passer dans toutes les rues du centre-ville et les équipes sont en train de désherber partout. Et votre quartier y arrivera parce qu'il y a un planning. Et vous qui avez été élu, vous devez savoir qu'il y a des plannings à respecter et il y a aussi des travaux qui, au dernier moment, dans l'urgence, sont obligés d'être faits, mais en règle générale, nous suivons les plannings. Pour répondre pour les camping-cars, il est évident que nous l'avons ouvert parce que nous avons de la demande. Je trouve que c'est formidable pour Malétroit d'avoir une renommée touristique très importante, puisque ce sont les camping-caristes qui téléphonaient tous les jours à Malétroit pour savoir quand ils pouvaient revenir dans cette belle ville qu'ils chérissent et aussi où ils achètent énormément dans les commerces. Parce que là aussi, il faut relancer l'économie locale après le Covid-19. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, vous savez, nous n'oublions pas la population de Malétroit. Nous y sommes tous les jours. Les services techniques y travaillent tous les jours pour le bien-être de la vie des Malestroyennes et des Malestroyens. Mais aussi, nous travaillons indirectement pour les commerces. Et on a un commerçant autour de la table, qui est Jean-François Billard, qui lui aime bien aussi avoir dans son magasin des camping-cars ici. Bruno. Moi j'aimerais juste rajouter, on n'a pas le droit de parler du service technique en négatif, parce qu'ils font un sacré boulot en ce moment. Et moi je les félicite puisque grâce à eux quand même, on a pu rouvrir nos deux écoles. Ils ont fait un travail extraordinaire alors qu'on n'était pas encore en confinement. Ils étaient en équipe réduite. Et là, actuellement, quand je vois comment ils entretiennent les rues, ils font un travail phénoménal. J'ai eu contact avec le responsable de service technique début de semaine, parce que moi aussi, j'ai appelé pour dire « oui, il y a quelques haies à traiter ». Il m'a dit « c'est prévu, il y a un planning à respecter, je le comprends, je le félicite parce que c'est pas évident en ce moment. On a un temps où l'herbe pousse, il fait beau. Donc on ne peut pas parler de négatif au sein de service technique, ils font un travail excellent. Et je ne peux que les féliciter. Si je peux me permettre, déjà signaler que Philippe, au début de ses propos, il a commencé par dire que le personnel municipal, qui est intervenu sur la branche, avait fait du bon travail, avait été poli. Il ne va pas oublier le fait qu'il a dénigré le personnel communal. Par contre, ce que j'ai entendu et ce que je n'accepte pas, et ce que je ne comprends pas, c'est que vous dénigrez des personnes. Ça, c'est tout à fait intolérable. Et je ne comprends pas non plus que... Dénigrer comment? Mais alors, est-ce que vous pouvez préciser, hein? Parce que on ne doit pas avoir le même vocabulaire. C'est-à-dire quoi dénigrer? Ça veut dire quoi dénigrer? Donc, quand tu dis que Philippe est un contrôleur des travaux finis, c'est pas dénigrer ça? C'est des travaux. Est-ce que tu veux que je t'envoie des travaux qui ont été terminés et finis par les services techniques. Le pointe-à-temps, il a bien précisé que le pointe-à-temps était terminé, était fini. Non. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire quand on dit à quelqu'un que c'est un inspecteur des travaux finis? Alors, dites-moi donc ce que ça veut dire. Dites-moi, alors expliquez ce que ça veut dire. Est-ce que tu nous prends pour des imbéciles? Donc, si tu veux jouer comme ça pendant 6 ans, on va jouer comme ça pendant 6 ans. Est-ce qu'on peut... Le respect. Est-ce qu'on peut éviter ça? Non, mais moi, j'aimerais bien... Mais je suis d'accord avec... En tout cas, pour le sujet dont on parle, il faut quand même savoir que dans le malheur de 2019, il y a une chance. Eh bien, cette chance, c'est que les services techniques vont avoir plus de temps et beaucoup moins de charges de travail cet été, et donc vont pouvoir faire un effort supplémentaire très important sur les missions. En gros, l'entretien de la ville. Donc je pense que Malétroit, cet été, sera magnifique, parce que les charges habituelles qu'on a avec les festivals, tous les événements d'été n'étant pas là cette année, malheureusement, eh bien, ils pourront mettre plus d'énergie afin que le nettoyage, l'entretien de la ville,
puisse être faite de manière plus intense. Et donc je pense qu'on aura des très bons résultats cet été de ce point de vue-là. Je pense que le Valais 3 cet été va être splendide. Oui, je suis entièrement d'accord avec leur question. Ce que je ne tolère pas, c'est le manque de respect envers les élus. Et ça, je ne supporterai pas et je ne l'accepterai pas. Et ce que je trouve drôle, c'est que personne ne bouge, personne ne contredit. Ça me dit. Alors, déjà, le manque de respect, je crois que vous êtes très mal placé, Jean-François Guillard, pour parler du respect d'une personne. Je crois que vous êtes très très mal placé pour en parler. Alors, déjà, ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, si vous voulez, on peut dire travaux terminés, si vous préférez terminer à fini. C'est peut-être pas la même chose. Voilà. Alors, moi, si je puis me permettre, moi, je suis pas là pour polémiquer. Mon souhait de rentrer dans le conseil municipal, c'est avant tout que ce soit constructif. Et là, je ne sens pas du tout votre adhésion. Je trouve qu'il y a un manque de communication. Vous n'acceptez pas, voilà, ce qu'on peut dire. On peut ne pas avoir les mêmes opinions. Et je pense qu'il est important d'écouter, d'entendre et d'accepter aussi. Et là, de communiquer, on n'est pas là pour communiquer. Donc moi, je trouve en tout cas, vous soyez maire, ok, mais vous devez le respect à tous les conseillers, et nous sommes conseillers, voilà, au même titre qu'effectivement la majorité. Mais vous savez que je respecte tout le monde. Par rapport à toi, on reconnaît bien. Alors, je suis même très tolérant. Oui, je voudrais dire un mot. Donc à ce sujet, en fait, je pense que ça vient probablement effectivement de la campagne où, et c'était donc filmé, donc on avait l'information, en gros, vous allez quand même montrer Valais 3 sur des aspects de pas positifs, démontrer que la ville est sale, qu'on se demandait même, il y a un commentaire qui disait qu'on pourrait même si les services techniques savaient ce qu'était un balai, enfin, de toute façon c'est pas le cas parce que c'est sur la vidéo. Et donc je pense que l'énervement vient de là, c'est-à-dire que ces sujets-là sont à traiter dans la commission de travaux, avec un débat, avec des idées d'amélioration, mais de parler des choses qui ne fonctionnent pas au conseil municipal sur l'entretien de la ville, pour nous ça paraît un petit peu déplacé. La commission de travaux sera très contente d'avoir vos avis sur ce sujet-là, ce sera plus constructif que de commencer par dire que la ville, en fait, on ne voit pas le plafond à l'étroit. Pour nous, c'est un petit peu quand même le vent de café, surtout que les services techniques font un travail extraordinaire dans Valais 3. Il y a Valais 3, c'est magnifique, où tout pousse très très bien. Donc tout le monde est content pour les jardins, on est content pour les fleurs, moins pour l'air. On se trouve que deux mois de confinement n'ont pas aidé pour essayer de remonter la pente. Mais voilà, on est un petit peu, vous verrez ça, on est un petit peu agacé à chaque fois. Parce que c'est très facile à faire effectivement de dire regarder ça, c'est pas normal. Quand on connaît la charge de travail des services techniques, c'est énorme, et qu'on les voit travailler tous les jours, de très tôt le matin jusqu'à tard, le week-end, c'est énormément de choses. Eh bien, on est un petit peu fatigué sur ce sujet, mais par contre, on est très preneur, c'est pour ça que Bruno le disait dans ce sens-là, on est très preneur de toutes les remarques, et d'ailleurs, on en fait nous aussi des remarques, et qu'on voit quelque chose qui ne parle pas. Et on remonte à Alain, on remonte au niveau du conseil pour que ça s'améliore. Mais pour nous, ce n'est pas le lieu du conseil municipal, c'est plutôt au niveau de la commission de travaux de noter tous les éléments qui sont à améliorer parce que là, on le comprend très bien, on est au travail, on avance et on essaye de faire en sorte que les choses s'améliorent. D'expliquer au tout début de mandat que l'herbe dépasse les panneaux. Bon, il se trouve qu'il y a eu le Covid-19, il se trouve qu'il y a eu pas mal d'aléas, et il se trouve que ces gens-là travaillent beaucoup, donc c'est probablement pour ça qu'il y a un petit peu d'agacement vis-à-vis de ces remarques. Oui, et puis, vous pouvez aller visiter les autres cités de caractère du secteur, c'est la même chose. Même un peu oui, mais je ne paye pas mes impôts dans les autres cités de caractère. Si vous n'avez retenu que le fait de l'herbe, il y a quand même plus important, notamment les EPI pour protéger nos agents, c'est bien plus important que l'herbe très haute. Donc moi je pense que dans mon propos, l'important c'était surtout la protection de nos agents. Après l'herbe, oui, on en parlera quand elles seront créées, ces commissions, on en parlera, pas de problème, mais l'important c'est nos agents. Alors, ainsi pour la protection. La protection, je peux me permettre. Pour te rassurer, à tout moment-là, j'ai réagi aussitôt sur le fait. D'accord. Je peux me permettre au sujet des impôts et mettre
en face effectivement une priorité dans le planning pour l'accueil des camping-caristes. Il faut bien prendre conscience qu'effectivement, plus on a de touristes, plus nos commerces fonctionnent, moins on est censé augmenter les impôts. C'est pas plus compliqué que ça. On m'a remonté également une dernière chose. On a eu une période un peu difficile, là, le Covid, ça a été compliqué, très compliqué pour Maïvoire. Et à plusieurs personnes, on s'est réunis, on s'est parlé et on pensait, alors je vais encore dire que c'est pas une analogie, mais voilà, la création d'une taxe exceptionnelle en faveur des commerces et des artisans. En demandant une participation de 5 euros à chaque propriétaire, exceptionnellement en juillet et en août, pour faire face aux réelles difficultés financières de nos commerces et de nos artisans qui arriveront certainement après la période estivale. Je pense que les restaurateurs vont commencer à souffrir à partir du mois d'octobre. Donc cette recette, qui pourrait aller de 25 à 40 000 euros, pourrait servir dès la rentrée, c'est-à-dire en septembre ou en octobre, à régler à ceux qui nous demandent et qui seront vraiment en difficulté les loyers de septembre et d'octobre pour leur permettre de passer cette période qui sera très très compliquée pour eux. Donc voilà, c'était juste une idée qu'on avait eue à plusieurs. Je parle bien de taxes exceptionnelles. Je sais que vous êtes contre le paiement des camping-cars, mais à cause exceptionnelle, peut-être taxes exceptionnelles, et ça vaut peut-être le coup d'y penser. Vous avez d'ailleurs, en fin de l'année dernière, créé une régie qui pourrait servir à encaisser les sous et redistribuer après au travers d'une commission. On pourrait créer un ad hoc, une commission ad hoc, et vérifier les besoins, les demandes, et puis attribuer ces deux loyers exceptionnellement. Alors, une taxe aux commerçants le demande. Une taxe, c'est pas possible, parce qu'une taxe est générative, en fait. Attends, Vincent, une taxe, en fait, l'idée, effectivement, je la conçois, de récolter une cagnotte pour venir en aide à des personnes qui en auraient besoin ultérieurement est intéressante. Maintenant, la forme, c'est-à-dire mettre en place une taxe, pour moi, n'est pas déclenchée un certain nombre d'autres complications. Alors, si il faut exploiter cette idée de faire effectivement récolter des fonds, l'idée d'une cagnotte sur la base du volontariat des camping-caristes peut être plus intéressante et effectivement aboutir au même résultat. Mais une taxe engendre trop de problématiques derrière. Ce n'est pas sur l'appellation, c'est sur le principe. Mais comme vous l'avez dit, je rencontre pas mal de camping-cars dans mon magasin et je ne donnerai personne de donner 5 euros pour l'accueil physique. Donc c'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir. En plus, ça pourrait, ce fonds exceptionnel pourrait aider des commerçants et des artisans qui vont se trouver en grosse difficulté à faire, si ce n'est pas avant. Il y en a déjà qui ont eu mal. Donc, il faut y réfléchir. Après, c'est pas parce qu'il m'engagerait non plus. Il faut penser à demain. Parce que demain, si on a des commerçants pendant 2 mois et que pendant 2 mois, on n'en a pas, c'est pas cool non plus. Alors, juste l'aspect technique fait que, en gros, si on lève une taxe sur les camping-cars, on doit reverser une bonne partie de cette taxe en fait à la communauté de communes, c'est la règle. Et donc on aurait déjà une taxe amputée par ça. Nous, la réponse qu'on a donnée, c'est j'achète à Malétroit. Donc vous avez vu, c'est quelque chose de très dynamique et qui fait en sorte que tous ceux qui visitent Malétroit, en fait, les camping-cars, on est très heureux de voir que les aires de camping-cars soient pleines et que ça fonctionne bien. Et ajouter à ce mouvement « J'achète à Malétroit »,
eh bien, incite les fameux campus Picard à directement aller soutenir les commerces en allant directement acheter chez eux et participer donc, à ce mouvement qui va on l'espère, dynamiser en fait, le commerce à Maille-Étroit. Donc on n'a pas vraiment attendu en fait, l'élection. Enfin, en gros, on a commencé dès à ressortir même avant le déconfinement, on a lancé cette opération-là qui fonctionne plutôt très bien. Et on a trouvé qu'il était, je dirais, plus dynamique et plus moderne de plutôt inciter les visiteurs et tous ceux qui viennent à Maille-Étroit à acheter dans les commerces de Maille-Étroit pour les aider, et ça fonctionne très bien, que effectivement de créer une nouvelle taxe. Alors c'est vrai qu'on n'est pas pour les taxes de manière générale. Quelqu'un qui vient à Maille-Étroit, pour nous c'est une chance. On est très heureux que ça redémarre aussi vite que ça. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits en fait, où le tourisme ne redémarre pas. Là, ce mouvement des camping-caristes permet d'avoir un flux plus important de gens qui viennent. On a trouvé que d'ajouter j'achète à Maille-Étroit, en fait, complète très bien. Et puis donc c'est sur la base du volontariat. Le problème de la taxe, c'est que vous ne posez pas la question aux gens de taxer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix. Là, on trouve plus sympa et plus intéressant, et je dirais plus accueillant, d'être dans un schéma où c'est sur la base du volontariat. C'est-à-dire qu'on les reçoit bien, et s'ils le souhaitent, ils peuvent participer à J'achète à Maille-Étroit. Et si ça fonctionne bien, ils peuvent aussi bénéficier en fait, des lots qui leur donnent, là aussi, une deuxième envie d'acheter à Maille-Étroit parce qu'ils ont de l'argent supplémentaire. Donc on a plutôt opté pour ça, parce qu'on trouvait que c'était plus moderne, c'était plus sympa d'être sur la base du volontariat que sur la coercition d'une taxe. Et d'autre part, la taxe, le problème, c'est qu'une bonne partie de cette taxe, en fait, aurait quitté la ville. C'est-à-dire que ce serait retrouvé... Changeons le mot taxe, parlons de participation. Oui, mais néanmoins, tout montant prélevé au niveau des camping-cars, en fait, est reversé à la communauté de communes. Et du coup, en fait, vient plus la taxe professionnelle, plus la taxe d'habitation, les 75 centimes qu'il doit payer à partir du moment où ça va pouvoir reverser. Mais, alors je partage tout à fait tes propos, Christian, mais aussi, qui va collecter cette taxe? Non, évidemment, il faut une régie, mais qui va collecter cette taxe? Il faut un emploi. On est 19, ça fait deux matinées et demie chacun. Non, mais il n'y a pas de régisseur. Il faut un emploi avec un régisseur. Vous savez bien comment ça fonctionne pour un régisseur, collecter la taxe. Et puis, ce sont des aires de stationnement. Les camping-cars n'ont pas sur place l'électricité, n'ont pas l'eau sur place. C'est juste des aires de stationnement. Et ces aires de stationnement, je peux vous dire, elles font le bonheur des commerçants de Maille-Étroit. Et c'est important pour nous, comme tu le disais, Christian, parce que si nous avons un commerce tonique, dynamique, ça rend service à l'ensemble de la population, des Maille-Étroitiennes et des Maille-Étroitiens, qui n'ont pas besoin d'aller spécialement à Vannes, à Rennes ou à Nantes, parce qu'on trouve de tout à Maille-Étroit. Et je tiens d'ailleurs à féliciter et à remercier l'ensemble du tissu des commerçants, artisans et des forces économique, si je puis dire, de la ville de Maille-Étroit, pour leur professionnalisme et ce qu'ils proposent, le choix de ce qu'ils proposent. Et c'est très rare de trouver cela dans une ville d'une grandeur comme Maille-Étroit, autant de commerçants et d'artisans professionnels, et sans parler des produits de bouche. Alors, donc, nous pourrons en reparler, si vous le voulez bien, lors des commissions ad hoc qui seront dédiées à cela. Et je ne suis pas contre les échanges, bien au contraire, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, mais il y a des choses que je peux accepter en tant que maire, et il y a des choses que je ne peux pas accepter non plus en tant que maire, et je crois qu'il faut mettre les points sur les i, et nous mettrons les points sur les i durant ce mandat. Mais on pourra en parler à la commission économie, bien entendu, parce que je pense que c'est un sujet qu'on va avoir pour un temps assez long, parce que il y a ceux qui souffrent à l'instant T pendant le confinement, il y a ceux qui
vont voir une accélération post-confinement, ceux qui vont voir après effectivement un ralentissement. Alors, on n'a pas idée encore, on sait qu'on est dans un schéma de récession de l'ordre de 10 points, ce qui est quand même très important. Donc pour l'instant, on essaye de maintenir une dynamique économique avec des opérations commerciales avec les commerçants. Mais voilà, on aura ce sujet-là de toute façon à traiter pour moi pour probablement 2 années à la commission économie. Donc toutes les idées sont les bienvenues. Alors, quand je vous disais on peut accepter les choses et on ne peut pas accepter les choses, vous voyez d'ailleurs en ce moment que depuis ce matin sur la place où vous faites, il y a une délimitation du parvis de l'église. Vous avez vu, nous avons mis des jardinières, nous avons disposé des jardinières parce qu'il y avait un petit peu d'appui sur cette place, elle est magnifique. Nous sommes pour le développement du commerce, nous sommes pour le développement des terrasses, et ça c'est formidable, mais il faut un règlement. Et ce règlement, nous le ferons, à tout niveau, il faudra suivre le règlement. Et vous savez, quand on vit dans une ville avec un bon règlement, eh bien la vie ne peut être qu'agréable pour tout le monde. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter à vous toutes et à vous tous une excellente soirée et on se donne rendez-vous à la commission des finances en début de semaine prochaine. Vous aurez l'invitation et nous nous verrons dans le courant du mois de juillet pour le prochain conseil municipal qui sera consacré aux finances, c'est-à-dire au budget de la ville. Merci, bonne soirée à vous toutes et à vous tous. À bientôt. Quand on dit début de semaine.